Je voudrais ajouter une question. Philippe Croizon a cette phrase, il dit « j'ai une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante voilà, que si je n'avais pas été amputée ». Est-ce que toi, tu dirais la même chose aujourd'hui ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Franchement, moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon handicap. Ça peut peut-être choquer tout le monde, mais non, franchement, moi, c'est grâce à mon handicap parce que j'aurais pas eu cette maladie. J'aurais sûrement pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Jamais, j'aurais été dans l'eau, tout simplement, parce que c'était quelque chose qui me fait peur. Et le handicap m'a permis de surmonter cette phobie. Et non, franchement, je suis vraiment fier de ce nouveau schéma corporel. Et c'est ce que je dis souvent. Si demain, on me propose d'avoir mes mains et mes pieds, je dirais non. Parce que ce serait fou, plus dingue, ouais. Et non, franchement, je serais à nouveau quelqu'un de différent. Et j'ai pas envie aujourd'hui. Je m'éclate, je kiffe ma vie, je fais plein de choses, et je suis le plus heureux du monde. Et, Il faut une force de caractère extraordinaire pour faire ça que vous aviez avant. Et des parents qui ont ce caractère-là. Oui. Voilà, c'est ça. Non, moi, je dis que j'ai pas été forcément hyper courageux. Je pense que les personnes les plus courageuses, ça a été mes parents dans cette histoire de maladie, etc. Parce que moi, forcément, j'avais 6 ans, je me rendais pas forcément compte de tout ce qui allait se passer par la suite. Mais non, ça a été mes parents et j'ai eu la chance d'être vraiment accompagné par mes parents, par ma famille. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai ce mental aujourd'hui, c'est certain. Bon, les saluts ce soir, ils nous regardent. Ils vous regardent, j'imagine.